Et salut les loulous, ici Gemino pour le 10e épisode de la Race Crystal pour Iwasam Studio. On n'avait pas soigné nos Pokémon, donc on va y aller tout de suite. La dernière fois, on avait traversé la mer et on est arrivé à Irisia où on avait battu Chuck avec pas mal de difficultés. Et on s'était rendu compte qu'on était vraiment bas level, on va dire, hein, par rapport aux arènes. Et donc on avait bien vu ça, et c'est pourquoi là concrètement je pourrais déjà tenter d'aller battre Jasmine. Mais honnêtement avec son Steelix niveau 35, je pense pas que ça va être facile. Je pense même que c'est pas faisable. Donc ce qu'on va faire... Hop, ordre, Kenisos. T'as besoin un peu d'XP toi. Déjà on va battre Eusine qui est ici. Ça, c'est lié également dans les remakes, hein, donc je m'en souviens très bien. Et Game, c'était pas juste aperçu Suicune sur les vagues, il est si court et traverse les villes, là, c'est dingue. Je vais t'affronter pour Suicune, logique combat. Voilà, Eusine qui va nous faire de l'XP, donc... On va pas aller à l'arène. On va aller en direction d'Akajou. Pour capturer deux Pokémon. Le premier, ça dépend sur quoi est-ce qu'on va tomber. Ce sera juste un Pokémon pour avoir la 16 vols sur nous. Parce que là, il a trouvé, c'est parfait. Là, concrètement, deuxième flinch, c'est parfait. Concrètement, là, on va perdre pas mal de temps sur la retraversée de la mer, même si on va utiliser du super repousse, c'est toujours du temps perdu. Bélier. Mais en plus, comme j'ai dit, on va aller à Akajou. Ensuite, il va falloir retourner à Oliville. Donc pour ça, on n'a pas le choix, on va utiliser la 16 vols, donc on va capturer... Alors, comme on est de nuit, là... Oula, j'aurais peut-être dû switcher. Comment ça, Fatal Foudre? Oui, tu vas te calmer, hein, je te le dis. Ok. Allez, go Macronium. Paracaillou parce qu'on va pas tarder à s'en séparer. Il fait roulade, oh là là. Quelle belle anticipation. Trancherbe, quel dégât je lui fais avec Trancherbe. En plus on va passer niveau 27. Oula, je lui fais rien en fait. Encore une roulade. C'est pas un coup critique ça, oula. Allez, on croise les doigts, un petit coup critique pour nous. Eh ben non, parce que ce sera un KO. Ah bon, Akajou, vas-y. Au pire, tu mourras, ce sera pas trop grave. Hein. Non, il va faire très mal. Je crois que c'est la dernière roulade, là. On n'est pas mort. Allez, pas une ampleur 4, s'il te plaît. Merci. Hop, au moins ça qui passe. J'aurais aimé que XP revienne quand même à Macronium et qu'il passe niveau 27, mais bon. Il va utiliser Spectrum en dernier, donc pour ça on va remettre Kanisos avec sa morsure. Et surtout on va enlever ce bruit de cloche absolument abominable. Abominable. Hypnose qui ne passe pas. La morsure politique. C'est parfait ça. Et remercier le parrain qui m'a offert la frame du coup critique. Et 2500 Pokédar, ça par contre c'est bien. Tuer Pokémon doivent t'adorer, je comprends, je vais traquer le Suicune, on se reverra bientôt. J'avais encore oublié. La bicyclette. Et ici je pense qu'on va utiliser un repousse. Je pense que ça va être suffisant. En premier Pokémon, on a Kaninos, ouais, ça va. Alors, nos trois Pokémon principaux, hein, Kanisos, Natkin et Macronium, sont niveau 26. Je sens que Macronium est pas loin du niveau 27. J'ai hâte quand même qu'on dépasse tous le niveau 30, hein, je vous le cache pas. Je me sentirais beaucoup plus rassuré. Toi, je crois que je t'ai déjà battu. Je me souviens plus exactement. 40, on arrive bientôt à Olivier.
Toi, je crois que je t'ai déjà battu aussi. Toi, j'ai pas envie de prendre le risque. Effet du repousse terminé. Allez, pas de Pokémon. Parfait. On va se soigner. Et surtout en prévision des captures qu'on va faire, parce qu'il y en aura une qui sera potentiellement pas simple. On va les capturer des Pokéballs, oui bien sûr, on va les capturer des Pokéballs, pourquoi pas. Allez, le shop. Bienvenue, en quoi puis-je t'aider? Vous avez que des Super Balls, tant pis. Donc on en a acheté 11. Je pense que ça suffira. Et là, on regrette de ne pas avoir vol, hein, vraiment. C'est vraiment une erreur que j'ai faite. J'aurais pu capturer un Roku ou même un Hoothoot, voilà. Sauf qu'on a déjà croisé un Hoothoot sauvage, hein, quand j'ai fait le test des coups de boule dans les petits arbres. Hop, Rosalia, bonjour. Il y a des arbres à Rosalia, c'est beau. Alors ici, sac, on va utiliser encore un repousse normal. Comme ça, c'est le dernier, on est débarrassé. Il est plus là. L'eau est calme, un coup de surf. Oui, allez, Marine. Rends-toi utile pour quasiment la dernière fois. Hop, la bicyclette. Une super potion. Ça, c'est parfait. Petit coup de surf, oui, allez. J'ai qui en premier, là? Canisou. Je vais peut-être mettre Macronium, parce que... c'est quand même notre starter, et bon, voilà quoi, la tradition, c'est que le starter est plus haut level que les autres. Allez, je vais te montrer la puissance de mes Pokémon. Amédée, tu as un Quillfish. Un Quillfish, ça va. Ouais. Tranchard qui va être neutre si je la rate pas. Ah, Darvenin. S'il vous plaît, pas poison. Ah. Là, il faut que j'en parle. Ah, bon, on passera au centre Pokémon. De toute façon, je dois déposer. Antoine et si le coup critique. Ok, c'est bon, ça c'est fait. Quoique, j'ai quand même bien envie de me faire les dresseurs qu'il y a là. Hein. Ah, mais des pêcheurs ont perdu. Bon, ça va pas m'empêcher de les faire. Je pense. J'ai oublié les bicyclettes. Encore une fois. C'est le Pokémaniac, tu as un Nidorina. Ça m'arrange pas, ça. Non, on va changer de Pokémon. Bah, on va mettre Net, tiens, allez. Nidorina contre Nidorino, qui sera le plus fort? Spoiler, je suis niveau 26. Allez, le coup de corne. Enfin, la coup de corne. On se double pied. Oh, ça t'amuse. Oh, perso, ça m'arrange hein, que tu fasses ça, je te le cache pas. Hop, Nidorina, c'est parfait. Bon, pas énormément d'XP. T'as Nidorino. Ouais, voilà, Nidorino. Alors Nidorino, je crois qu'il a moins de défense que Nidorina, on devrait peut-être lui faire un peu plus mal, même si on le tuera pas en un coup, je pense. Quand même. Et toujours double pied, il pourrait faire coup de corne, hein. Parce qu'il a coup de corne. Il n'y a pas que double pied dans la vie. Mais au moins c'est fait, et on gagne 300 points d'XP. Et le niveau 27 pour Nedkin. Temps d'apprendre puissance. Ouais. On va enlever gros yeux, je pense. Même si de toute façon puissance je l'utiliserai jamais, c'est-à-dire autant gros yeux. On sait jamais sur un combat peut-être un peu plus important. Ce sera peut-être plus worth. Voilà, worth de faire puissance que de faire gros yeux. Après tout, une chance de critique en plus. On sait jamais. Moïse Montagnard. Moi, Topic. Ah.
là normalement si je rate pas les tranchermes, je pense que je l'ouais, hein, largement. Voilà, là comme on le tue, on va pas prendre les dégâts de poison normalement, comme on a vu sur Tartare. Racaillou, non, on ne change pas de Pokémon. Au contraire, c'est du pain béni. Allez, une tranche herbe. Emballé, c'est pesé. Normalement, voilà. On l'extermine, mais littéralement. Et ici, on a Triopicker. Voilà, qui est pas plus haut level que les autres, hein, clairement. La tranche herbe qui passe, qui va le tuer aussi, je pense. Parfait. Et Moïse Montagnard a perdu. Une partie est envoyée à maman, une partie de l'argent, évidemment. On perd des PV, mais on va arriver au centre Pokémon. Et le soigner, oui, s'il vous plaît, mon Macronium est empoisonné, c'est terrible. S'il vous plaît, il est là. Pokémon sont en super forme, à bientôt. On va remettre Canisus en premier. Ou alors on laisse Macronium. Non, on laisse Macronium, allez. Soyons fous. Et là, on va stocker. Voilà, Nessie. Le Karatroc qui est strictement inutile. Comme ça, on va directement avoir notre Pokémon Vol. Vol, oui, notre Pokémon Vol, bien sûr. La figure boost terminée. Parfait. La bicyclette. On l'oublie pas. Notre Pokémon Vol. Pokémon et moi, on est super potes. C'est bien, je suis fier de toi, dis donc. Rémi Camper veut se battre, il envoie sa belette. J'ai laissé Macronium en premier. Non, oh, c'est plus. Oui, c'est bon. Hop, tranche herbe. Qui ne rate pas. J'ai failli dire qu'il ne passe pas, parce que je voulais dire qu'il passe en même temps. Ah, on est pas loin du niveau 28. Nosferati. Non, on va rester. Parce que vu le niveau, niveau 17 aussi, non. Niveau 19. N'empêche, dans cette génération, on voit que les... Enfin, je sais pas qui gère ça. En gros, ceux qui gèrent le niveau des... Oh, il a trouvé, parfait. Ceux qui gèrent les niveaux des dresseurs, ils sont moins chiés que par exemple, dans Rouge Feu Feuille. Là, on voit, les dresseurs ont des niveaux... Enfin, les Pokémon d'un même dresseur n'ont pas le même niveau. C'est quand même pas mal réaliste. Nous, c'est pareil, hein, nos Pokémon n'ont pas tous le même niveau. Alors que dans Rouge Feu Feuille, parfois on peut avoir un dresseur qui aura 5 Pokémon, mais 5 Pokémon qui auront exactement le même niveau. Et ça, c'est... Bon, c'est un peu de la flemme, je pense. Perdre, c'est mal. Bah non. Enfin, tu peux apprendre de tes erreurs, je pense, non? Ratatac, non. On fuit, normalement, voilà, la fuite qui passe. Ah, une dresseuse. Toi aussi, tu vas au lac colère? On va jouer d'abord. Eh ben, elle a spoilé! Oui, je veux la colère. Lac colère qui est un lieu... Comment dire? J'irais bien emblématique pour une certaine catégorie de joueurs de Pokémon. Je veux parler des chasseurs de Pokémon chromatiques. Chasseurs avec un S au début et non pas un C. Car c'est là-bas qu'on trouve un Pokémon. Oh. Si. Ah là là. Je pense que ce Pokémon, franchement, c'est un symbole, ce Pokémon. C'est vraiment un symbole pour beaucoup de Shiny Hunters, donc chasseurs de Pokémon Shiny. Que, à moins d'avoir eu de la chance au cours de l'aventure, le Pokémon qu'on va croiser et qui est shiny, c'est le premier qu'on croise, il est forcément shiny. Et ça, j'ai envie de dire, c'est beau, putain. Non mais je veux dire, quand même quoi, tout un symbole pour une génération Shiny Hunter qui ont découvert les chromatiques avec ces versions. Bon après, ça doit être des vieux joueurs, je pense.
Après, je sais plus quand est-ce que sont sortis ces jeux, en 2000, je crois. Encore rat d'attaque. Allez, je suis sûr à 90% que le Pokémon que je veux... Enfin, que je veux... Pokémon que je veux, oui. Enfin, qui a un Pokémon type vol là-dedans. Bon, comme on est de nuit, j'imagine que c'est Oot-Oot. Et c'est lui que je veux, du coup. Excellent, gars. Trancherbe. Donc ouais, la colère, la genèse, ou la genèse, je sais pas comment on dit. Pour des Shiny Hunters. J'en suis un personnellement, mais si je suis très peu assidu à la pratique en ce moment. Écrasement. On va le finir avec coup de boule. Hein. Voilà. On gagne quand même 500 points d'XP, c'est pas mal. Mes jolis Pokémon. Bon, on va chercher notre Pokémon. J'espère qu'on va vite le trouver. Non. Voilà, la fuite, merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, la RNG, on devrait le trouver facilement, normalement. Non, ce n'est pas Mimitos. Et non, et non, et non. S'il vous plaît, un effort. Toujours pas Mimitos, bon. Du coup, je vais vous faire une coupure jusqu'au moment où je vais trouver le Pokémon en question. Alors à tout de suite. Ah bah. Voilà, il fallait le menacer en fait. Voilà. Je vais en... je vais le tuer. Oh, il a hypnose. Est-ce que je l'ai à la Pokéball? Oh parfait. Oh, el magnifico, el noir fang. Si, señor. Ses fines plumes lui assurent un vol silencieux, il peut ainsi surprendre facilement ses proies. Oui, car c'est une chouette, donc... C'est un rapace. Allez hop, super potion. Ouais... La super potion qui passe bien. Oh, 60 PV. C'est beaucoup. Non. Hop, la potion. Amacronium. Ensuite, le réveil. On va faire ça par étapes, hein, quand même. Hop. Et on va apprendre vol. Alors, on va faire gaffe à pas enlever Hypnose, du coup, parce que Hypnose va être très utile, je pense. Rugissement, allez hop. C'est parfait. Dorfang apprend vol. Et donc là, on va pouvoir aussi utiliser un super repousse. Hé hé hé. Bon, toi, on va pas te battre. Toi, je crois qu'on n'a pas le choix, de toute façon. J'adore les Pokémon, c'est pour ça que je les collectionne tous. Vive les jolis Pokémon! Vive les hypnomades et autres soporifiques! Vive la vie, vive les fleurs! Non, ça, la Flagasos. Flagasos! Flagasos! Et oui, évidemment. Il va falloir deux coups, du coup. Bon, ça va, il nous fait pistolet à eau. Ça passe easy. Hop, le niveau 29, peut-être. Avec si... Ouais, nickel. Et on n'apprend pas de nouvelle attaque encore.
Comment oses-tu? Mais après Tranchère, c'est quand même plutôt puissant. Hein. Et coup de boule, ça fait le reste du taf. Et voilà, le Pokémon. J'espère qu'on va réussir à le capturer. Le Léviator rouge du lac Colère. Alors je sais qu'il a Dracourage. Je sais qu'il a Mania. Et Mania, c'est une attaque vraiment terrible. Parce qu'au bout de 2 ou 3 tours de Mania, ça nous rend confus. Et Léviator étant un Pokémon qui a une très grosse attaque. Oh, il refait Mania. Ça, c'est pas bon. Eh ben, il peut se blesser dans sa confusion. Et évidemment, s'il est confus, il peut se blesser dans sa confusion. Donc, oui, ce que je voulais dire, pardon, c'est qu'il a une très grosse attaque, donc il se fait beaucoup de dégâts à lui-même. Suivant, on va envoyer Noir Fang, on va essayer de le. Allez, l'hypnose. Là, tu peux te taper, Léviator. Ah merde. Est-ce que ça va nous tuer? Je pense que ouais. Non, 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 ça ne nous tue pas. L'hypnose qui passe. Nice. Protection s'évanouit. Ah, c'est pour ça qu'on n'est pas mort. Sac. On va essayer de balancer tout de suite une Super Ball. Il est pas dans le rouge, il est même pas dans le jaune, mais il est endormi. Donc ça double nos chances de capture. Ça ne passe pas. Et il dort. Allez, on serre les dents. On serre les dents. Bien sûr, allez, on va serrer les dents. Non, on va serrer les fesses, on va croiser les doigts. Et il sort au bout de 3 vacillements. Allez, attends, continue de dormir, continue de dormir. Allez, la Super Ball. Yes! La peur à chaque conflit mondial, semant chaos et destruction sur son passage. Donne un surnom à Léviator, eh bien, oui. Est-ce que c'est un mal? Oui, c'est un mal. Strictement personnellement, je vais l'appeler Arme. Mais on va l'appeler Armand. On obtient les carrés rouges, c'est bien. Pour ceux qui connaissent pas, Maître Armand est un Shiny Hunter français. Un des pionniers des Shiny Hunters sur YouTube. Hein. Vu que sa chaîne YouTube date d'il y a quasiment 10 ans maintenant, c'est incroyable. 10 ans, et oui. Et bah c'est lui qui m'a... Oula, pardon. C'est lui qui m'a insufflé la passion que j'ai pour les Pokémon chromatiques. Et dans une certaine aventure, il a nommé son personnage Arue Pokémon. Comme j'ai pas envie de chercher le Pokémon, je l'ai juste appelé Arwe machin. Mais je vais prononcer Armand, donc voilà. Petit hommage modeste. Mais une personne que j'apprécie quand même beaucoup. Vous voulez le soigner? Oui. On va soigner nos Pokémon. Quoique, j'aurais peut-être dû aller au PC avant. Pokémon sont en super forme encore, merci et à bientôt. Hop, PC de Léo. Et là, évidemment, vu qu'on a un Léviator, on va le prendre dans l'équipe parce qu'il est niveau 30. C'est quand même un très haut level. Donc, on va retirer Armand. Est-ce que le PC soigne? Le PC soigne en cette gen, d'accord. En première génération, c'était pas le cas. Et on va lui apprendre Surf. Donc avec ce Pokémon, enfin donc avec Armand, normalement, on va enlever, avec gros yeux, ça sert à rien avec gros yeux. Normalement, l'arène devrait être ultra simple à passer, je me souviens
strictement parfaitement des Pokémon de la championne. Je sais qu'elle a deux Magnéti, un Styx. Je ne me souviens plus des niveaux du Magnéti. Enfin, des Magnéti. Donc pour ça, je vais quand même mettre Rakaidou. Je pense. Rakaidou a encore peut-être son mot à dire. Je suis pas allé à Olyville. Oh merde. Fichtre, pardon, je voulais dire Fichtre. Ok, alors ça, on appelle ça un fail. Je suis pas allé donner le médicament à Farouk. Et ça, c'est triste. Bon, par contre, là, c'est très frustrant de pas avoir des chaussures de sport pour pouvoir courir. Effet du repousser, mais c'est pas grave. Allez. Sinon, tous les dresseurs sont battus. Voilà, donc le marin avec l'escalier. Hop. On était déjà passé, on connaît le chemin. On monte l'escalier, on monte l'escalier. Et ici, on va monter aussi. Et voilà. Ce médicament va-t-il soigner Farine? Eh oui, la potion secrète. Prends pas mal, Farine accepte que ce que je lui donne. Farine, comment te sens-tu? Bon, apparemment, il va assez bien pour nous illuminer la tronche. Why not, si tu veux, mais par contre, tu fais un peu mal aux yeux, je t'avoue. Hop. On redescend, heureusement qu'il y a cet accès rapide. Dans les remakes, ils ont mis un ascenseur. Ce qui est peut-être un peu plus Charlie, je pense, pour les genoux, du moins. Hop. Alors, je crois... Oui, j'ai bien mis Rakaidou en tête d'équipe. Ah, bonjour, Jasmine. Merci pour ton aide au phare, mais c'est un peu différent. Permets-moi de me présenter. Je suis Jasmine, la championne d'arène, et j'utilise les Pokémon de type acier. Ça te dit quelque chose, le type acier? C'est un tout nouveau type de Pokémon. Je peux commencer? Notre sixième badge. Elle commençait avec Magnéti, ça je m'en souviens très bien. Ouais, elle m'avait un peu traumatisé en fait quand j'étais plus jeune. Donc là, c'est simple, il n'y a aucune négociation possible, c'est Ampleur. Et il va prendre x4 de ce Magnéti. Ampleur 6. Est-ce que ça passe? Oui, oui, voilà. 500 points d'XP pour Rakaidou. Et voilà, là, elle va envoyer direct Steelix. Et nous, on a Armand. Voilà, Steelix, il y a un Pokémon qui a une défense absolument gigantesque à notre Léviathan Shine. Mais une défense spéciale, strictement à chier. Ah. Ah. Alors ça par contre, Zenith. Ah, l'hyper potion. Un petit peu plus long que ce que je pensais du coup. C'est vrai qu'il y a l'hyper potion du champion. Aïe 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 aïe. Les rayons sont puissants encore. On relance surf. Après je sais pas trop ce qu'il peut nous faire comme attaque. Est-ce qu'il a les attaques d'Onyx? Ah ouais. Allez, j'ai pire, je pense pas qu'il nous tue. Hein. Ouais, il nous enlève 37 PV. Par contre là sur un coup critique il va nous tuer en effet. Et là, j'aurais dû faire morsure. Quoique, non, c'était pas très efficace à l'époque, sur moi. Il relance jet de pierre. Allez, on croise les doigts, pas de coup critique. Parfait. Le zénith qui continue, mais le surf qui va achever notre Steelix ennemi. On sent quand même qu'on a pas mal de niveaux, hein, au moins. Voilà, Armand qui. Son premier combat avec nous qui est quand même plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. On va envoyer Rakaidou.
Rakayu, je pense, ça va être son dernier combat, je pense. Dernier combat dans lequel je vais le mettre vraiment de plein gré. L'ultrason qui ne passe pas. Et une ampleur 8, et c'est fini. Et on obtient notre 6ème badge. Et oui, coup critique, aucune chance. Eh bien Rakayu, écoute, ce dernier combat, il aurait été strictement parfait. Pour toi en tout cas. T'as réussi à esquiver l'ultrason qui aurait pu quand même nous emmerder. Et en plus t'es... Oh là là. Allez. Je pense qu'on pouvait pas imaginer une plus belle manière pour Rakayu de sonner sa retraite. Qu'une évolution. C'est parfait ça. Et on obtient le badge minéral qui est tout collé. Le badge minéral. Badge minéral. Augmente la défense de tes Pokémon par un facteur 9/8, je crois. Prends donc aussi ceci hors combat Link, il me semble. C'était 23. Puiser cette CT pour apprendre que de faire un Pokémon. Bah écoutez, c'est parfait. On va aller se soigner très vite. On en a quand même un peu besoin, Armand a perdu pas mal de PV. Hein. Même si on va pas l'utiliser tout de suite, parce que quand même, on va surtout level up nos autres Pokémon. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé ce 10ème épisode de la Race Crystal pour Ivasam Studio. On est à 5h23 de jeu pour le badge de Jasmine. N'hésitez pas évidemment à aller voir les épisodes de mes concurrents, Endo et Ores, sur respectivement argent et or. Moi je vous dis à la prochaine pour le 11ème épisode de Race Crystal.